Mes chers élèves, les troncs communs, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Une nouvelle capsule, selon les demandes de certains élèves qui m'ont contacté sur mon compte en Facebook et Instagram, ils ont demandé de vous réunir un lexique et de vous réunir les mots, tous les mots scientifiques que vous avez étudiés, que vous avez appris dans le chapitre 1, la sortie écologique. Donc j'ai essayé, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai essayé de réunir tout le vocabulaire, tout le lexique, tous les mots scientifiques, tous les mots techniques qui peuvent être vous aider, que vous pouvez trouver dans l'examen. Je commence par le premier mot, l'écologie. Le premier mot que vous avez appris, c'est l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie? Donc, comme on l'a déjà vu, écologie, c'est la science de l'environnement. C'est la science ilm al-bay'a. C'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu de vie et les interactions entre eux. Ça, on a vu que l'écologie, il y a ilm al-bay'a. Il y a l'ilm alladhi yahtam bi dirasat al-kainat al-hayya fi wasat 'aishiha wa dirasat al-'alaqat al-mawjuda ma bayna al-kainat al-hayya fi ma bayna ma bayna wasat 'aishiha. Donc, je peux diviser ce mot écologie en deux mots grecs, oikos, qui signifie maison, qui signifie habitat, et logos, ça veut dire science, ça veut dire étude. D'où, comme conclusion, l'écologie c'est quoi? C'est la science de l'habitat. Un autre terme scientifique que vous avez appris, c'est l'écosystème, al-hamila al-bay'iya. Donc mes chers élèves, l'écosystème c'est quoi? C'est un ensemble formé par un milieu, ok? Par un milieu et les êtres vivants qu'il occupe. Ça, c'est comme première définition. Comme définition, un petit peu complexe, que vous avez appris cette année-là, que l'écosystème il est égal biotope plus la biocénos. يعني الحميلة البيئية هي المحيا زائد العشيرة الإحيائية. Une autre définition, si vous voulez, l'écosystème, c'est un ensemble homogène et stable. Regardez, il est stable, constitué par une communauté d'êtres vivants, à savoir les animaux, à savoir les végétaux, à savoir les champignons, à savoir les microbes, auxquels j'attribue le nom la biocénose. العشيرة الإحيائية مجموع الكائنات الحية التي تعيش في وسط ما. C'est l'ensemble des animaux, des végétaux, des champignons, des microbes en relation avec leur milieu de vie qu'on appelle le biotope. Nouvelle définition, un autre terme, un nouveau terme que vous avez déjà vu dans le cours, le biotope, al-mahya, c'est quoi? C'est le milieu de vie, c'est le lieu de vie, c'est le milieu qui héberge un ensemble des organismes, à savoir la flore, c'est-à-dire l'ensemble des espèces végétaux, à savoir la faune, l'ensemble des espèces, les animaux, et la fange, tout l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans le milieu. La biocénos, al-ashira, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux et micro-organismes. Passons maintenant à un autre terme, les facteurs biotiques. Qu'est-ce que c'est les facteurs biotiques, mes chers élèves? Ils sont liés aux composantes biologiques. C'est quoi? C'est l'interaction du vivant sur le vivant, c'est-à-dire l'effet ou bien l'action du vivant sur l'être vivant, comme à titre exemple, les ressources alimentaires et les relations trophiques, c'est-à-dire les relations alimentaires qui s'établissent entre les animaux. À titre d'exemple, je peux donner comme exemple la relation de la prédation, qui relie qui? Qui relie, je donne un exemple, qui relie le renard au lapin.
c'est une relation trophique, c'est une relation alimentaire. Ça, c'est l'action du vivant sur le vivant. C'est ce que j'appelle un facteur biotique. Il y a aussi les facteurs abiotiques. Al-awamil al-la-ihya'iya. Les facteurs abiotiques représentent l'ensemble des facteurs physico-chimiques d'un écosystème. C'est-à-dire, c'est l'action du non-vivant sur le vivant. C'est l'action, par exemple, des facteurs édaphiques, al-awamil at-turbawiya, l'action du sol, la structure du sol, la texture du sol, la porosité du sol, la capacité de rétention du sol. Tout ça, il intervient, il a un effet sur le vivant. Aussi, comme un autre facteur que je peux rajouter, les facteurs climatiques, l'action du climat. La température, l'humidité, la lumière, luminosité, tout ça, c'est l'effet du non-vivant sur le vivant. À ne pas oublier, هناك عوامل إحيائية وهناك عوامل لا إحيائية. C'est clair? Autre terme que vous avez étudié, c'est la stratification verticale. التوزيع العمودي للنباتات. C'est quoi? La stratification, c'est quoi? C'est la répartition des végétaux. C'est la distribution des végétaux dans le sens vertical. Ah, on a vu ça. C'est quoi? C'est la strate arborescente. الطبقة الشجرية. Il se compose de quoi? Elle comprend les arbres qui ont un tronc ligneux dont la hauteur dépasse 5 mètres. Aussi, la strate arbustive, at-tabaqa shujairiya, qui comprend des végétaux ligneux, se forme d'arbustes et de buissons dont la hauteur elle est comprise, il manque un i ici, elle est comprise entre 2 et 5 mètres. Suivie par la strate herbacée, la strate herbacée à tabaka al-ushbiya, qui comprend des végétaux à tiges molles de hauteur entre 5 cm et 180 cm. Ça, on a déjà vu dans le cours, je ne vais pas me retarder là. J'ai essayé seulement de vous réunir ces mots-là dans une seule capsule, dans une seule vidéo pour vous faciliter la tâche lorsque vous commencez votre préparation pour l'examen. La strate mucinale, il comprend des végétaux dans la hauteur ou bien dans la longueur, il est inférieur à 5 cm, c'est-à-dire des végétaux qui sont de très petite taille, qui sont fixés sur les troncs d'arbres, sur les rochers et sur les débris. Arrivons à la dernière strate, qui est la strate souterraine, qui comprend des structures végétales souterraines, à savoir les racines qu'on trouve sous terre, les tubercules tels que les tubercules de la pomme de terre, les bulbes d'oignons et les rhizomes. Autre mot que plusieurs personnes m'ont demandé, c'est les étapes de la formation de profils topographiques, la stratification horizontale, vous utilisez la technique de transect. Transect, c'est quoi? C'est profil de végétation. Il s'agit de quoi? On trace une ligne qui est généralement droite sur le site qu'on veut étudier. Et on essaye de faire le relevé, le dénombrement, le recensement des espèces rencontrées tout au long de cette ligne. Donc ça, c'est la technique de transect. Peuplement, c'est quoi? C'est l'ensemble des espèces animales et végétales qui vivent dans un espace géographique donné. Ok? Technique de quadrat, technique de quadrillage à tarbiya. C'est quoi? Le quadrat, c'est une surface délimitée dans laquelle on note l'ensemble des espèces rencontrées. Ok? Recensement, retenez ce mot-là, vous le trouvez dans les exercices. Recenser, dénombrer, compter, inventorier. Dénombrement, ça veut dire ihsa, ça veut dire qiyam bijard. Ça, c'est le mot recensement. Passons maintenant à la partie des instruments ou bien des outils qu'on peut utiliser lors de la sortie écologique. Comme un exemple, le fil et fouchoir. Comme vous avez déjà vu ça, c'est un outil destiné à la capture des insectes dans les zones herbeuses, mais aussi dans les arbres. Ça, c'est le filet fouchoir. Le filet plancton,
Comme vous le savez déjà, c'est un filet qui est destiné à récolter le plancton. Mais qu'est-ce que c'est le plancton? Ce sont les organismes aquatiques qu'on peut trouver dans l'eau de mer, dans le lac, dans la rivière. Que ça soit de phytoplancton, c'est-à-dire plancton nébati, ou bien zooplancton, plancton hayawani. Autre terme que vous avez déjà vu, parapluie japonais. Le parapluie japonais, c'est quoi? C'est un parapluie qui sert à capturer les insectes qui vivent sur les branches, les arbres et qui sont le plus souvent cachés par la végétation. Un autre terme, mes chers élèves, le dendromètre que vous avez déjà utilisé, c'est un instrument de mesure qui permet de déterminer la hauteur d'un tronc d'arbre. La suite des instruments qu'on peut utiliser pendant la sortie écologique, le filet à plancton, qui sert à récolter les échantillons de plancton aquatique qui se trouvent dans le lac, dans les rivières ou bien dans la mer. Aussi, un autre instrument, c'est le pH-mètre, qui est un appareil qui permet de mesurer le pH du sol ou bien le pH de l'eau. Est-ce que c'est un pH acide, basique ou bien neutre? La technique de quadrillage que vous la connaissez, que vous avez déjà vu, que lorsque parmi les étapes de l'étude statistique, lorsqu'on veut dénombrer, il faut tout d'abord choisir la station qui doit être, comme vous le savez déjà, il doit être homogène. Après, on doit utiliser la technique de quadrillage qui consiste à quoi? Je le dis, je le répète, dans un secteur homogène, on délimite un carré de 1 mètre carré au moyen de 4 piquets et d'une corde, et on compte le nombre d'espèces présentes dans ce carré. Combien j'en ai? On double la surface, 2 mètres carrés, et on compte le nombre des espèces qui se trouvent dans cette superficie. On double encore une fois le carré, 2 mètres fois 2 mètres, 4 mètres carrés, puis 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, et ainsi de suite, jusqu'à on trouve qu'il n'y a plus de nouvelles espèces qui apparaissent. Jusqu'à qu'on voit, qu'on regarde, qu'on observe que le nombre des espèces devient constant. À cet instant-là, on peut tirer la notion de la surface minimale, el-misaha ad-dunya, ou bien l'aire minimale. C'est quoi l'aire minimale? C'est la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu étudié. يا أصغر مساحة تحتوي على مجموع النباتات الموجودة في الوسط. Passons maintenant aux caractéristiques des études statistiques. Premier caractère que vous avez appris à connaître et à calculer, c'est la fréquence, at-taraddud, où on attribue le symbole F. C'est quoi la fréquence? Il reflète le degré de corrélation entre une espèce et son biotope, c'est-à-dire la relation entre l'espèce et son milieu ou bien et son lieu de vie. Une autre définition, la fréquence, c'est un pourcentage qui exprime le degré de liaison d'une espèce vis-à-vis au milieu où il vit. Il est représenté par la formule suivante que vous savez déjà, que vous devez apprendre par cœur, parce que ça, vous l'aurez dans l'examen, soyez sûr et certain. C'est quoi la fréquence? Elle est égale à petit n sur grand n fois 100. Sachant que petit n, c'est quoi? C'est le nombre des relevés renfermant l'espèce étudiée. Tandis que grand n, c'est le nombre des relevés réalisés. Donc, une fois qu'on calcule la fréquence, on détermine l'indice de fréquence à l'aide du tableau de l'échelle de Ritz que le prof a donné, puis on va dessiner notre histogramme de fréquence. Midraj at-taraddud. C'est quoi l'histogramme de fréquence? C'est une représentation de la variation de nombre d'espèces en fonction des coefficients fréquence ou bien en fonction des indices de fréquence.